Her name is called Anna, Sister Anna Aluka. Little Flock Church. She comes from the Little Flock Church. Pastor Obon Charles. Her pastor is a Pastor Charles Obon. From Kampala. Uganda, Kampala. She lives in Kampala, Uganda. Elle s'appelle la sœur Anna Aluka. Elle est de l'église Little Flock et son pasteur est le pasteur Charles Obon à Kampala, en Ouganda. She is going to testify her vision when Pastor Lifese came to the Little Flock Church, Uganda. Elle va témoigner de ce qui s'est produit lorsque le pasteur Leonard Lifese est venu à l'église Little Flock en Ouganda. On the first day when she started preaching in the Little Flock Church, Uganda, I saw the bright dove standing upon the head of Pastor Lifese. Le premier jour, alors qu'il a commencé à prêcher à l'église Little Flock en Ouganda, j'ai vu une colombe blanche se tenir au-dessus de la tête du pasteur Leonard Lifese. Like the bird which was demonstrating to fly, but he was still stuck standing on his head. But he could not move away. Flapping the wings. So that bird appeared when Pastor Lifese started praying for the congregation. La colombe étendait ses ailes comme si elle voulait voler, mais elle était toujours arrêtée au-dessus de sa tête. Elle ne s'en allait pas, elle était toujours là en battant ses ailes. Cette colombe est apparue lorsque le pasteur Leonard Lifese a commencé à prier pour la congrégation. So the dove remained on the head of Pastor Lifese, flapping the wings all the time when he was praying for the congregation. La colombe est restée au-dessus de la tête du pasteur Leonard Lifese en battant ses ailes tout le temps qu'il priait pour la congrégation. On the following day, on the Sunday, le jour suivant, le dimanche, on the first service of the Sunday, l'omne pasteur Lifese. So when Pastor Lifese was leaving the office coming to the pulpit, so there was a bright shining light upon his body, covering his head and all the body, up to the chest here. It was very bright. Lors du premier culte dimanche, lorsque le pasteur Leonard Lifese marchait du bureau pour se rendre à la chaire, il y avait une lumière étincelante qui brillait au-dessus de lui. Elle le recouvrait de la tête jusqu'au niveau de la taille. Cette lumière était vraiment étincelante. So when I was looking at that bright light upon his life, is it the pastor Lifese? Alors, lorsque je regardais à cette lumière au-dessus du pasteur Lifese, so when I was continuing to looking at the bright light which was around his life, his body, I almost fell down. Au fur et à mesure que je regardais à cette lumière, je me suis presque évanouie. So when I continued to look, but I closed my eyes because of the fear, and then also because it was affecting me because I could not see very much more longer. Alors j'ai fermé mes yeux à cause de la crainte, mais aussi parce que ça affectait mes yeux et je ne pouvais plus vraiment très bien voir. There was also a very cool breathing what you wind like which was demonstrated around the light which was all the time when he was in a church.
Il y avait aussi un vent frais qui était autour de cette lumière et qui faisait chut pendant tout le temps qu'il se tenait dans l'église. So, when he was preaching, that light remained in his body until he finished the service. Cette lumière était au-dessus de lui tout le temps qu'il prêchait jusqu'à ce qu'il ait terminé le culte. And also, in one of the testimonies that I had was sick for 2 weeks before, after the service of the prayer, during that time, then even the pain which was in the, at my back also stopped there and then. Up to now, it has never happened anymore. Un autre témoignage que j'ai aussi, c'est que j'étais malade pendant 2 semaines. Mais après le service de prière, la douleur que j'avais dans mon dos a cessé. Et jusqu'à présent, cette douleur a disparu. Je ne ressens plus aucune douleur dans mon corps. I'm not feeling any more pain in my body. Up to now. Even at this time when I'm testifying about this testimony of that bright light. Même jusqu'à présent, alors que je rends le témoignage de cette lumière étincelante. And then even the people in my household, in my family, they knew that I've been sick for the last 2 weeks, but now I'm no longer sick. I testified from them also, I am healed completely, all the body. Même les personnes dans ma maison, dans ma famille, savent que j'étais malade pendant les 2 dernières semaines. Mais maintenant, je ne suis plus malade. Je rends aussi témoignage pour eux. Je suis guérie complètement dans tout mon corps. Thank you. Yalama. Yalama noi noi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Charles Obuan, le pasteur of the Little Flock Church, Kampala, Uganda. Je suis Charles Obon, pasteur de l'église Little Flock à Kampala en Ouganda. I just would like to confirm that I know my sister here, Anna Aloka, and also my precious brother Gerald Otral. It's one of the deacons in the church. I'm also here to confirm that I know the gifts of God that God has put in the life of Sister Anna. I know she often sees visions and brings messages from the Lord. Je voudrais juste confirmer que je connais ma sœur ici, sœur Anna Aloka, et aussi mon précieux frère, Gérald Otwan, qui est l'un des diacres à l'église. Je suis aussi ici pour confirmer que je connais le don de Dieu qu'il a placé dans la vie de sœur Anna. Je sais qu'elle a souvent des visions et apporte des messages venant de Dieu. And what is strange is that when the Lord revealed to me something concerning the ministry of Pastor Lifese, it's just within the same time that now I discovered that God also visited my dear sister. Ce qui est étonnant, c'est que lorsque le Seigneur m'a révélé la chose en rapport avec le ministère du Pasteur Lifese, j'ai découvert qu'au même moment, il a aussi visité ma précieuse sœur. That is just within Saturday and Sunday this weekend, at the time that Pastor Lifese has been ministering in the Little Flock Church. Et cela s'est produit entre samedi et dimanche, ce week-end, alors que le pasteur Lifese prêchait à l'église Little Flock. I want also to thank God that was within my heart that at least there be a second witness to my testimony. For the scripture says that let everything be established with under 2 or 3 witnesses.
Je veux aussi remercier le Seigneur parce que c'était dans mon cœur qu'il puisse avoir au moins un deuxième témoin à mon témoignage. Parce que l'Écriture dit que toute chose qui est établie soit faite sous les témoignages de deux ou trois témoins. And I appreciate God to give me a second witness that is coming from my sister Anna, whom I had not even told my own night vision, which the Lord gave me concerning the pillar of fire appearing around Pastor Jefferson. Et je remercie le Seigneur qui a pourvu pour un deuxième témoin, en la personne de ma sœur Anna, à qui je n'avais même pas partagé ma propre vision nocturne qu'il m'avait donnée concernant la colonne de feu qui apparut au-dessus du pasteur Léonard Lifessé. It's just now as we come to record this that she has heard my testimony. And I'm also excited that just as the Lord had helped me to see that shining light, amber light around her brother, the same she saw him on Sunday as he was walking from the pulpit to the church and throughout the time he was preaching in the church. C'est juste maintenant que l'on est en train d'enregistrer qu'elle écoute mon témoignage. Je suis aussi heureux que de la même manière que Dieu m'a permis de voir cette lumière d'ombre étincelante autour de mon frère, elle a vu la même chose le dimanche alors qu'il se rendait vers la chaire et pendant tout le temps qu'il prêchait dans l'église. I want to appreciate God for that. May God bless each and every one of you. In Jesus' name, amen. Je veux remercier Dieu pour cela. Que Dieu bénisse tous et chacun d'entre vous au nom de Jésus. Amen.